Welcome everybody on Paddock TV for the broadcasting of the race test of the race test of the Formula Renault 3.5. We are tonight with the FFSCA and the FR 3.5 championship, and for the first round we will go to de Gilles Villeneuve Track. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur Paddock TV. On se retrouve ce soir eh bien, pour la retransmission en live de la course test du championnat Formule Renault organisé par la FFSCA. Donc un championnat monoplace, et on prend la direction ce soir donc du circuit Gilles Villeneuve situé au Canada. Donc le circuit Gilles Villeneuve, situé donc au Canada, avec 4 km, 362 mètres, 14 virages, 6 à gauche et 8 à droite, avec un record de la piste établi eh bien, en 2004 hein, par Rubens Barrichello, à bord d'une Ferrari F2004 en 1.13.622. Bien sûr, ce soir, ça ira moins vite, puisque nous sommes donc en Formule Renault 3.5. Une auto un peu moins performante que les Formule 1, puisqu'il s'agit de l'antichambre de la Formule 1. Et vous découvrez donc ce tracé, ici, avec eh bien, ces 14 virages et quelques virages, on va dire, très connus. Principalement le dernier, le 14, avec Bienvenue au Québec. On a également un premier virage, un premier second virage très spectaculaire qui peut parfois poser quelques figures au départ, et ensuite un tronçon assez étroit, notamment avec les virages 4, 5, 6, 7, 8, avec un enchaînement où les murs eh bien, seront très proches. Un gros freinage ensuite au virage numéro 11 avec le pit hairpin. Gilles Villeneuve is near Montreal with 4 km and 362 meters. We have 14 turns, 6 on left and 8 on right, and the fast lap was realized by Rubens Barrichello on K4 with a best lap with 1 minute and 13 seconds 622. You can discover the track with the famous turn, the Welcome to Quebec, the last one. The first and second turns will be very spectacular, especially at starts, and after there is a very straight turns with the turns 4, 5, 6, 7 and 8, and the turns 11 with very hard braking. On va passer désormais en qualification, et on est parti pour 20 minutes de qualification, et les pilotes eh bien, sont pour la majorité en piste avec le premier tour chrono, et on voit ici le premier temps donc réalisé par Nicolas PS en 1.25. Allez, Yannick Lapchin qui améliore. Anthony Jones également en 1.23.2. Allez, on va voir l'ensemble des pilotes au fur et à mesure passer la ligne. Ici, on va voir Arnaud Marcotte qui passe la ligne. Et Arnaud Marcotte qui établit le 7e temps. Allez, Fabrice Bastian sera le prochain pilote que l'on va suivre à couper la ligne avec un 1.27.196. C'est le 10e chrono. Oula, j'ai une petite glisse sur le premier virage. Et la majeure partie des pilotes eh bien, vont désormais être en piste. Il ne reste qu'une voiture dans les stands, à savoir celle de Sébastien Garcia, qui désormais eh bien, prend la piste.
Alors pour ce soir, vous constaterez des autos avec le même numéro, la même décoration, puisque je le rappelle, nous sommes dans une manche test. Toutes les écuries n'ont pas encore pu terminer les châssis pour la saison 2015, et donc certains réutilisent des châssis 2014, ce qui explique que plusieurs autos similaires sont présentes en piste ce soir. I remember that we are in a race, in a test race tonight. So if you see similar cars on track with the name numbers and the name colors, that means the all the team doesn't receive the 2K and 15 cars, and they used the cars of the last season. And that's why there is similar cars. Allez, on rejoint le pilote le plus rapide. Et on vous propose un tour embarqué avec le leader qui vient d'établir son meilleur temps en course. Alors là, voilà, on ressort du virage numéro 2. Attention, il est en contact avec le mur. Et c'est David Lespèce qui prend le meilleur tour en... actuellement en qualification. Anthony Jones qui coupe l'effort, sûrement suite à son contact, et bien avec le rail, avec le mur plutôt. Allez, Yannick Lapchin, quatrième, qui se retrouve à la sortie du virage numéro 11. Oula, alors que là-bas on a un pilote dans le mur. Et il s'agit probablement de Sébastien Garcia. Allez, Yannick Lapchin qui devrait améliorer son temps. C'est lui qui détient le meilleur temps sur le deuxième secteur avec un 49.046, comme vous pouvez le voir. Le petit marqueur violet qui indique qu'il est détenteur du meilleur temps. Oula, attention, s'arrêtons en pleine piste. Et David Lespèce qui améliore une nouvelle fois en 1.23.005. Et tête à queue pour David Lespèce. Allez, le sixième sur cette séance pour l'instant, eh bien c'est Olivier Vignon. Olivier Vignon qui traîne sur les circuits depuis quelques années maintenant. Puisqu'à une autre époque, j'ai eu l'occasion de le rencontrer principalement sur des courses en GT. En GT1 et GT2 à l'époque. Il y a de cela 4 ou 5 ans. Et qui maintenant, à grimper un échelon en passant à la monoplace. Et qui est détenteur ce soir donc du sixième temps. Allez, on va faire le point rapidement sur la qualification, puisqu'il nous reste 10 minutes. Avec en pole position pour le moment David Lespèce, suivi d'Anthony Jones. Arnaud Marcotte occupe la deuxième ligne aux côtés de Yannick Lapchin. La troisième ligne sera partagée pour le moment entre Nicolas Payès et Olivier Vignon, donc,
Kevin Lefondre, 7e. Se partagera la 4e ligne avec Nicolas Crignon. Et nous retrouvons Orlando Béchin et Jean-Philippe Paya. Eh bien, en 10e position. Que voici justement. Jean-Philippe Paya. Le 11e, Philippe Demey qui devance Julien Fournet. Oula, alors que là on a eu un petit changement de position avec David Le Pen qui vient de s'insérer à la 9e place, juste devant Orlando Béchin. Donc Julien Fournet qui donc passe en 13e place, Fabrice Bastien 14e, le 15e sera Fabrice Piaia, le 16e Sébastien Garcia, Jérôme Devy occupera la 17e place, Jean-Claude Joly sera 18e et Gilles Garcia fermera la marche avec la 10e ligne. Et Jean-Philippe Piaia qui ici n'est pas dans un tour très rapide, on le voit là qui se range. Allez, Philippe Demey en 12e place. Alors que Yannick Lapchin là, eh bien, a amélioré. Allez, Yannick Lapchin qui attaque un nouveau tour. Et il va être gêné. Non, ça va. Les fameux virages 5, 6, 7, 8. Ici on sort du virage numéro 8 pour ensuite on va attaquer le virage numéro 9 et 10. Et le fameux virage numéro 11, très gros freinage. Et la pole position a été récupérée par Anthony Jantz avec un 1.22.760. C'est le seul pilote à tourner en dessous de la minute 23. Et ils y sont désormais deux, puisque Yannick Lapchin vient de faire une 1.22.961. Allez, on va essayer de voir ce que pourra faire David L'Espèce dans son prochain tour. Ah, il est dans le deuxième secteur. Et Anthony Jantz qui repasse la ligne pour un nouveau tour. Alors, va-t-il arriver à concrétiser? Il y a pour l'instant, c'est lui qui a les trois secteurs les plus rapides. Vient de prendre une position sur Kevin Lefondre. Inversion des positions sur la troisième ligne de la grille de départ. Il semble qu'il y ait un pilote un peu plus rapide. Voilà Yannick Lapchin qui a repris le dessus sur David L'Espèce. La pole position est vraiment très serrée là, hein, puisque les trois premiers pilotes sont séparés de 21 millièmes seulement. Et là Anthony Jantz semble bien parti pour améliorer son chrono. Il a 3 dixièmes d'avance à l'amorce du dernier secteur. Et là on arrive sur le dernier freinage, la chicane, le bienvenu au Québec. Oh, le mur passe pas loin ici. Et c'est fait. Une 22-240. Là par contre c'est un coup de massue pour la concurrence. Alors que pourront faire les concurrents justement? Yannick Lapchin ici. Et David L'Espèce vient de passer la ligne hein, sur le dernier tour. 22-781. Il n'a pas amélioré. Est-ce que Yannick Lapchin arrivera à reprendre le dessus?
Les trois premiers pilotes sont en une demi-seconde, un tout petit peu plus, en 6 dixièmes. Et ensuite, le quatrième, c'est Arnaud Marcotte, qui sera donc à 1 seconde 1 pour le moment. Sachant qu'il reste encore 5 minutes de qualification, soit au moins 3 tours. Donc les pilotes qui souhaitent rentrer au stand, équiper un train de pneus neuf pour repartir, c'est tout à fait possible. Allez, Philippe Demey qui dépasse Julien Fournet. Ouf, et Yannick Lapchin là qui vient de pulvériser sa monoplace en qualification à 4 minutes de la fin. En tapant le rail. Et David Lespèce qui vient de refaire un tour sans améliorer. Allez, Arnaud Marcotte, quatrième. Ouais, une petite sortie de piste très légère. Mais ça va suffire pour perturber le tour en question. Olivier Vignon ici à l'arrêt. Voiture sûrement esquintée. Kevin Lefond en 6ème position. Ouf. Oh bah également, même problème que pour Yannick Lapchin, décidément. Allez, on va essayer de revoir ce qui s'est passé là. Malheureusement, l'image n'est pas disponible. Allez, le 7ème, Nicolas Payès. Il reste 2 minutes 40. Nicolas Crignon vient de s'intercaler à la 5ème place. Nicolas Crignon là qui vient de tourner sur son dernier tour en 1.23.421. Et visiblement ça semble être une bonne performance puisque il a remisé l'auto au garage. Et du coup Nicolas Payès se retrouve 8ème. And we are now at less than 2 minutes the end of the qualification. For the moment, the best lap was realized by Anthony Jans in 1 minute 22 seconds and 240 for the fast lap. And the two drivers behind him are at 0.1500 seconds at least behind him. So the first row of the starting grid will be shared by Anthony Jans and David Lespèce, and for the moment the third and the fourth on qualification are Yannick Lapchin and Arnaud Marcotte. The fifth is Nicolas Crignon, the sixth is Olivier Vignon. Kevin Lefond was the seventh on qualification, just before Nicolas Payès. In 9 and 10, we have Fabrice Piaia and Fabrice Bastion. Which are the two
first driver at more than 2 seconds with the best lap. Allez, on revient avec l'homme le plus rapide en piste pour l'instant. Ça sera son dernier tour. Allez, Yannick Lapchin, David Lespèce n'amélioreront pas. Arnaud Marcotte non plus. Olivier Vignon non plus. Nicolas Crignon, je ne pense pas non plus. Fabrice Bastien est également au stand. Ils ne sont plus beaucoup à rester en piste. Hein. L'homme le plus rapide derrière Anthony Jeanne, ça sera Kevin Lefondre. Et non, il ne reste plus que Anthony et Nicolas Payès en piste. Anthony qui est ici dans le dernier virage. Et qui devrait encore une fois améliorer son meilleur temps. Et le voici en 1.22.064. Il n'a pas réussi à aller chercher les 1.21. Mais c'est quand même une sacrée performance. Puisqu'il vient de relayer ses concurrents directs à plus de 6 dixièmes. Et bien voilà pour cette séance de qualification. Donc, avec, eh bien, la victoire pour, enfin la pole position plutôt pour Anthony Jantz. Allez, ensuite on va passer donc... warm-up. Donc le warm-up, eh bien, qui va durer 5 petites minutes. Et ensuite nous passerons à la course. Particularité donc, eh bien, pour la course, eh bien, nous aurons des perturbations météorologiques pour cette première course, puisque nous attendons de la pluie pendant cette course. Alors la pluie, la voici. Voici ce que nous attendons. Avec donc un départ sur une piste sèche. Et le ciel eh bien, va se couvrir avec un taux d'humidité à 25%. Enfin à 25% de la course, pardon, des nuages. Ensuite nous aurons une grosse averse à mi-course. Avec une piste qui va refroidir très légèrement. Par contre, un grip qui sera eh bien, fortement diminué. Et ensuite, nous aurons une pluie qui va se calmer petit à petit pour laisser place ensuite eh bien, une petite éclaircie au niveau de l'arrivée. Alors, la question va être, est-ce que les pilotes chausseront les pneus pluie? Il y a de fortes chances que oui. Donc, on vous rappelle, je vous rappelle que vous pouvez distinguer les pneus pluie des pneus secs sur la voiture par la couleur des flancs. Les flancs rouges... Eh bien, sont pour les pneus secs, comme vous pouvez le voir sur les voitures actuellement en piste. Là, vous voyez des flancs rouges sur le véhicule. Donc, ces voitures sont équipées de pneus slick. Et les pneus pluie, eh bien, vous aurez un flanc bleu, tout simplement. Alors, je vais retirer la météo pour que vous puissiez voir eh bien, la couleur des gommes, hein, c'est plus facile, voilà. Les flancs rouges ici qu'on voit bien pour les pneus slick. So we are now in warm-up and we will pass on the race station in few minutes. And during the race we are waiting some rain. Here you can see the forecast of the weather center. We will start with
Great weather with 24 degrees and at half race there is a rain on track. It will be raining, and at the end of the race the rain will stop and we will have cloudy weather. I don't know if the track will be wet or not at the end of the race, so we will discover at the same time what will be the best strategy for a race. Allez, la qualification, le warm-up va bientôt se terminer, puisqu'il me semble que la majorité des pilotes est au stand. Et nous allons avoir 5 petites minutes de retard, hein, par rapport au timing standard, un peu plus. On va avoir une petite dizaine de minutes de retard. Le départ de la course devait être donné à 21h46, il est 21h49 chez moi. Et nous avons, à la suite de ce warm-up, 6 minutes de mise en grille. Alors on vous explique rapidement comment va se passer cette procédure de mise en grille. Pendant les 3 premières minutes, la pit lane sera ouverte. Voilà. On passe maintenant en session course. Et donc pour l'ensemble des pilotes, pendant 3 minutes, la pit lane est ouverte. Alors le premier à sortir ici, ça sera Anthony Jantz. Voilà, le feu est rouge à la sortie des stands. Donc il faut attendre que la ligne des stands passe au vert. Voilà, c'est fait désormais. Les pilotes peuvent sortir et ils ont 3 minutes environ, à quelques secondes près, pour aller se mettre sur la grille. Ils peuvent repasser autant de fois qu'ils le veulent par la voie des stands pour pouvoir effectuer un tour de vérification si nécessaire. Et par contre, les 3 dernières minutes, eh bien la pit lane sera fermée. Et là, tout pilote repassant par la voie des stands devra partir des stands. Pour un pilote qui ne s'est pas lancé, eh bien il partira également des stands. Et tous les autres, dans les 3 dernières minutes, eh bien devront aller se placer sur la grille de départ. Nous partirons ensuite pour un tour de formation. Et enfin, nous partirons pour une heure de course. So before the race, we will have a short session of 6 minutes. During the 3 first minutes, all the drivers can pit out and run on track as they want. The only condition is to pass by the pit lane, like Anthony Jones now. It's forbidden to realize a full lap with the starting grid. You must pass by the pit lane. And during the 3 last minutes, all the pit lane will be closed, and all the drivers who are not on track will start from the pit lane. Allez, on est qu'Orlando Bechin là qui est dans les stands.
Et on va bientôt se retrouver avec... Eh bien, la ligne des stands fermée. Donc il faut se dépêcher. Puisqu'en gros, là, il ne reste que quelques secondes. Uniquement. Alors, je vais essayer de trouver une caméra permettant d'observer cela. Ça va être compliqué, évidemment. Les pilotes, là, se placent tous en ligne. Et il va nous rester 2 petites minutes à attendre. Pour passer à la course. Donc là, les pilotes chauffent les pneus. Mais je suis pas sûr que ça soit très utile en ce moment, puisque... les pilotes vont rester 2 minutes à l'arrêt. Donc à part les user plus qu'autre chose, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt. Voilà, on voit le reste des pilotes qui vient se placer sur la grille de départ. Vous pouvez voir les feux en haut de l'écran du portail sur la ligne de départ. Qui indique qu'il y reste un peu plus d'une minute, hein, puisque 2 feux sont allumés. Quand le deuxième feu va s'éteindre, il ne restera moins d'une minute. Et là, eh bien, nous avons l'ensemble des pilotes qui désormais doivent être en place. L'espèce, Arnaud Marcotte, Nicolas Crignon qui se place. Ah, c'est sûr que les derniers pilotes à se placer risquent d'avoir du mal. Et Olivier Vignon... et bien là, qui partira de la voie des stands, puisqu'il n'a pas pu se mettre en place assez vite. Et donc, malheureusement, le sixième partira des stands. Tous les autres pilotes sont en place sur la grille. Allez, 25 secondes, et nous allons partir pour le tour de formation. Avec un peu de chance, Olivier Vignon pourra récupérer sa place pendant le tour de formation, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il prenne part au tour de formation. Allez, 5 secondes. Et nous allons attaquer. Le tour de formation, voilà, c'est parti. Le tour de formation est donné. Et les pilotes s'élancent, nous allons bientôt partir pour une heure de course. All the drivers are on track, except Olivier Vignon. He will start from the pit lane. Because he does not exit before the last 3 minutes. As the race director explained during the briefing. Donc on vous rappelle que la voiture est équipée d'un DRS, c'est ce système d'aileron amovible qui permet, dans le cas où on est très proche d'un pilote, eh bien, d'accélérer très fortement la voiture pour permettre le dépassement avant le prochain freinage. Alors par contre attention, hein, c'est pas forcément très simple à gérer, puisque qui dit forte accélération dit vitesse de pointe très élevée quand on arrive au bout de la ligne droite.
Et qui dit vitesse de pointe très élevée dit gros freinage. Donc il faut savoir adapter son freinage en bout de ligne droite pour ne pas se retrouver dans les choux. Allez, les pilotes sont dans la ligne droite. Ils vont arriver, voilà, sur la grille de départ. Ils vont pouvoir tous se replacer. Alors attention quand c'est comme ça, à ne pas trop faire chauffer. Et on voit ici le Olivier Vignon. Et il me semble qu'il y a un autre pilote hein, qui est passé par la voie des stands. Pas sûr d'avoir bien vu. Et c'est ça, Nicolas Crignon qui est repassé également par par les stands. Et nous aurons donc eh bien la troisième ligne complètement déserte. Allez, le départ va être donné, c'est parti, les feux sont verts. Et on part pour une heure de course. Départ 22h, arrivée 23h et quelques. Allez, ça passe bien pour les leaders. Allez, on va essayer de revoir le départ en caméra embarquée. Avec la voiture de Kevin Lefondre. Derrière, ça va un petit peu dans l'herbe au démarrage. Et voilà ce fameux écart hein, derrière, comme vous l'avez dit. Allez, on revient avec la tête de la course. Avec donc désormais, eh bien, les premiers pilotes qui arrivent dans le dernier virage. Et on voit déjà que le peloton s'est bien étiré. Hein, avec Yannick Clapchin qui a pris qui a conservé la deuxième place devant David L'Espèce. Et les deux pilotes sont déjà à 1 seconde. Le quatrième est déjà à 4 secondes. Hein. Par contre, très bon départ de Kevin Lefondre. Nicolas Payès, 5e, 6e, Fabrice Piaia. 7e, Orlando Béchine. 8e, Philippe Demey. Alors, par contre, on devrait avoir Nicolas Crignon et Olivier Vignon qui vont nous faire une belle remontée. Il y a de fortes chances. Bon, et là on a un petit tête-à-queue pour Jean-Philippe Piaia qui va du coup va perdre quelques places, attention. Voilà, il va perdre 4 places. Et on a Arnaud Marcotte également 15e là qui visiblement a raté son départ. Jérôme Deville 16e, David Le Pen 17e. Et on retrouve Nicolas Crignon 18e et Jean-Claude Joly 19e. C'est Olivier Vignon hein, qui a pris un bon départ, même s'il partait des stands, puisqu'il est déjà 11e. Il a pu remonter une bonne partie du peloton. Il va falloir pas trop perdre de temps pour lui. Alors que là, on est en train de voir que David L'Espèce perd des places. Tout comme Nicolas Payès, qui là chute dans le classement.
comme vous pouvez le voir à droite, hein, tout le monde le double. Kevin Lefondre également. Eh bien, perd des places. Et Kevin Lefondre qui passe par la voie des stands. Peut-être un départ un peu anticipé. Un drive-thru ou un stop-and-go. Ou des réparations. Et du coup, il ne reste plus que deux pilotes aux avant-postes. Avec Anthony Lyons et Yannick Lapchin. Ils ne sont plus que deux. L'écart est déjà de 13 secondes. Après seulement deux tours. Voilà le reste du peloton. En caméra embarquée avec Yannick Lapchin. Là, le contact avec le rail de sécurité ici, parce que la direction a pris un coup. Je n'espère pas pour lui. Alors, on vous rappelle que les pilotes partent pour une heure. La stratégie leur permet de changer les pneus comme ils le veulent. Par contre, les pilotes ont embarqué la totalité de l'essence pour la course. Hein. Alors là on voit ici 266 km/h.8 avec une vitesse max à 270 km/h. L'écart est important car on vous rappelle il y a le DRS. Ce qui veut dire que les pilotes atteignent la vitesse maximale dans la dernière ligne droite du circuit, juste avant la dernière chicane. Et là, entre Orlando Bechin et David Lespès, voilà, on a une petite bagarre pour la troisième place. Et c'est David Lespès qui a pris le dessus. Pour la quatrième place, pardon. Et vous l'avez vu en bas de l'écran. L'écart était vraiment très infime. Puisque David était encore derrière Orlando. Allez, pendant ce temps-là, on a Olivier Vignon qui remonte 8ème. Nicolas Crignon 14ème. Kevin Lefondre, hein, par contre, qui avait pris une très bonne qualification, est déjà à 48 secondes. En 15ème place. Et nous avons toujours 19 pilotes en piste. Allez, 280.4 ici pour David Lespès avec la meilleure vitesse de pointe. Hein. Bien aidé par le DRS, je vous le rappelle. Et malgré tout, oh, attention ici, dépassement à l'intérieur sur Fabrice Piaia. Et ça passe pour David Lespès qui reprend la troisième place. Oh, attention ici, petit survirage. Un peu trop de gaz, un peu trop généreux en sortie. Par contre, la course risque d'être assez longue pour David Lespès, puisque devant, les pilotes sont dans le même rythme que lui. Hein. David avait fait le troisième temps en qualification. Et là, eh bien, il se retrouve également troisième, mais à 20 secondes. Donc, hormis économiser les pneus tout en arrivant à maintenir le rythme, il n'y a que ça qui
qui peut arriver à le faire recoller. Et pendant ce temps-là, Olivier Vignon vient de dépasser Fabrice Piaia, qui a visiblement fait une erreur. Oh, c'est Fabrice Bastien, pardon, qui a fait une erreur. Ce qui lui a permis de gagner une place. Allez, maintenant, c'est Orlando Bechin qui va revenir sur Fabrice Piaia. Pour la quatrième place. Alors, on voit déjà la piste qui commence à se gommer fortement. Donc les chronos vont descendre hein, au fur et à mesure des tours, puisque la gomme va se déposer de plus en plus sur la piste. On vous rappelle que le circuit de Montréal est un circuit, même si le tracé est permanent, la piste est utilisée très rarement dans l'année comme circuit automobile, puisque c'est un tracé qui est situé en plein milieu d'un parc et qui en fait pendant l'année eh bien, est ouvert au public et où les personnes peuvent faire du vélo, du roller dessus, du scooter, marcher, faire une balade à pied. Donc la piste est très peu gommée, on va dire, comparée à un circuit permanent comme peut l'être par exemple Spa ou Suzuka. Les installations sont également temporaires hein, puisque bon, le circuit est aux alentours de l'ancien parc olympique. Et les stands, etc. sont complètement démontés. Hein. Il ne reste que les bâtiments vraiment pendant les périodes creuses. Et tout est démonté. Pour éviter eh bien, les intempéries bien sûr. Et là-bas le climat est très différent. Allez, on va revenir à la course. Avec Orlando Bechin. Et là on voit les premières gouttes de pluie apparaître. Attention, les premières gouttes de pluie. On est proche des 25 premières minutes hein. Et oui, le ciel s'est couvert et la pluie fait son apparition sur le tracé de Montréal. Attention, c'est là où il va falloir être un fin limier pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Allez, Kevin Lefondre hein, qui pour l'instant est toujours en piste mais qui malheureusement eh bien, est dernier. Voilà, on le voit à l'écran avec juste devant lui. Oula, alors on a un pilote au ralenti. De qui s'agit-il ? C'est Fabrice Bastien. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouh, l'auto semble salement amoché là. Ça risque d'être compliqué pour lui. Ah, il faut pas rester là. Voilà, c'est bon, il a réussi à engager la première pour aller jusque dans la voie des stands. Alors là, attention. Et on voit déjà les premières gerbes d'eau par endroit. Attention à la pluie. Les pilotes qui s'écartent hors trajectoire pour pouvoir voir la piste. Là on voit, eh oui malheureusement, attention. Les trajectoires sous la pluie sont complètement différentes hein, puisqu'on ne freine pas sur la trajectoire standard sur le sec. Et là sûrement les pilotes qui vont rentrer au stand pour certains. Et on voit que ça plonge Anthony Lantz, Yannick Lapchin. Oh, attention au dépassement dans les stands, hein. C'est pas forcément très recommandé. Que va faire David Lespèce? Est-ce qu'il va continuer en sec? Voilà les pilotes qui s'arrêtent au stand.
Et j'ai l'impression là qu'on a un pilote qui a percuté le mur en rentrant au stand. On a David L'Espèce qui rentre également. Et donc là vous voyez les voitures ressortir avec les pneus bleus. Les pneus marqués d'un bleu sur le flanc. Et il s'agit donc des pneus pluie. Alors malheureusement, si je me mets en caméra embarquée, eh bien si, on voit les rainures. Hein. Vous voyez ces pneus pluie. Il a une piste qui est complètement détrempée. On voit le reflet de la pluie. Et attention, là, on voit Anthony Jones qui met des grands coups de volant. Pour ne pas perdre le véhicule. Oh là là, ça c'est un pilote en pneus secs encore. Où il faut être fou hein, pour continuer avec des pneus secs par ce temps. Et là on les voit les pilotes qui sont toujours en pneus secs. Alors Fabrice Bastian, lui il est en pneus pluie. David Le Pen, pneus pluie également. Les pneus pluie pour Kevin Lefondre, Jean-Claude Joly également. Et c'est Jérôme Deville qu'on a toujours en pneus secs. Et Jérôme Deville qui malgré tout eh bien, prend bien beaucoup de risques. Ah, je pense qu'il va plonger dans la voie des stands ici, hein, ça serait plus prudent. Le voici. After 15 minutes on a race, all the drivers go in the pit lane, change the tire, it's raining at Montreal and the track was clearly wet and now all the drivers have the wet tire with the blue logo on side. Oula, Gilles Garcia qui a détruit sa monoplace, plus d'aileron arrière pour Gilles Garcia. Alors que là, on voit qu'on a des... Oh là là, derrière, accrochage là dans la voie des stands. Que s'est-il passé? Oh, les pilotes là qui sont vraiment en grande difficulté sous la pluie. Attention, messieurs. Là, c'est vraiment un torrent qui s'abat sur le circuit du Canada. Et là, on voit Nicolas Crignon complètement en glisse. Et là, c'est Fabrice Piaia qui ressort avec un aileron en moins qui malheureusement va devoir repasser par les stands. Et David L'Espèce a fait une bonne opération puisque il a repris la deuxième place sur Yannick Lapchin. Mais les deux pilotes eh bien, sont à 40 secondes d'Anthony Jones qui domine littéralement cette course après 11 tours parcourus. Alors voilà, je voulais vous donner une petite indication sur les vitesses hein, qui pour l'instant bien sûr ne seront pas rebattues vu les conditions météorologiques. Mais le plus rapide en piste eh bien, prend 283,2 km/h. Il s'agit de Nicolas Payès, quatrième actuellement, et qui semble-t-il gère plutôt bien. Oula, alors que là on a le safety car, va rentrer en piste. Attention, on a plusieurs voitures en vrac sur le circuit. Et là, tout le monde vient taper un peu le rail. Le safety car là qui rentre en piste. Alors, on va essayer de trouver le safety car. Il devrait être normalement devant le leader. Le leader là qui arrive dans la dernière épingle. Et on voit la piste là complètement brillante, pleine d'eau. Bah, c'est pas pour ça que le leader ralentit, hein. Il a mis la voiture bien dans l'axe pour pouvoir avoir un grip maximal. Et là on
vois, ça freine très très tôt. La chicane qui passe tout doucement. Bon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de trouver la motricité. Hein. Et là, on devrait retrouver le safety car au bout là-bas. Où est le safety car? On sait qu'il est en piste. C'est vraiment compliqué pour tous les pilotes là. Malheureusement, on a quelques abandons là. Sébastien Garcia, Jérôme Devy. On a perdu deux voitures. Et là, c'est un... Voilà, le safety car. On a retrouvé le safety car. Alors ce safety car va faire l'affaire, la bonne affaire de certains, hein, puisque on va retrouver donc eh bien l'ensemble des pilotes normalement groupés derrière ce safety car. Donc là on devrait avoir David Lespèce et Yannick Lapchin qui vont recoller au leader. Mais je pense qu'il y aura des voitures intercalées entre ces deux pilotes. Et Anthony Jantz actuellement en tête. Alors le safety car devra rester entre 2 et 3 tours en piste environ. Le temps d'évacuer un peu toutes les voitures partout. Voilà, le safety car là repasse par la voie standard. Allez, David Lespèce, Yannick Lapchin. Et là, tous les pilotes sont vraiment en difficulté. Le 9ème, hein, c'est Kevin Lefondre qui est à un tour. Et malheureusement, on a perdu 5 pilotes. Hein, Sébastien Garcia, Jérôme Devy, Philippe Demey, Arnaud Marcotte et... Et non, 3 pilotes. Arnaud Marcotte et Orlando Bechine étaient au stand. J'espère que les pilotes pourront recoller. Alors, qui se trouve ? Ah, c'est Gilles Garcia ici qui... fait bouchon, ou alors que là on a eu un accrochage. Olivier Vignon avec Nicolas Payès. Aïe 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 aïe, malheureusement Olivier Vignon et Nicolas Payès. C'est Nicolas Crignon qui se retrouve troisième puisque Yannick Lapchin a fait un petit passage par la voie des stands. Décidément, partir sur la grille au tour de formation, passer par les stands et se retrouver troisième après 13 tours semble un peu inespéré. Et on est reparti. Le safety car s'est effacé et les pilotes, eh bien, repartent à l'assaut de la piste. Malheureusement, ça n'aura pas permis aux pilotes de recoller. Et on repart pour un nouveau safety car. Malheureusement,
Ouais, ça risque d'être, je pense, comme ça, pendant une bonne partie de la course. Puisque là, les pilotes sont vraiment en difficulté, hein. Il faut vraiment faire preuve d'attention pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Entre ceux qui ont plus d'ailerons, ceux qui ont des difficultés à maintenir le véhicule sur la piste, hein. Ici à l'image de Yannick Lapchin qui pourtant est habitué et se fait surprendre ici au freinage par la perte d'adhérence à l'accélération. Les conditions là sont vraiment dantesques. Et Nicolas Payès, lui qui n'a plus d'aileron, hein. Alors pour lui ça doit vraiment être un calvaire. Allez, boum, un coup dans la crash box, comme ça la voiture sera un peu plus amochée, mais malheureusement ça doit être vraiment horrible pour lui là de revenir en piste sans aileron. Faut vraiment rouler tout doucement, ne pas chercher à aller trop vite. Et Julien Fournet, 7e. J'ai l'impression que David Lespès là peine à remonter sur Anthony Jones, mais c'est normal puisque Anthony Jones. Oh, David Lespès là qui se fait piéger! À la chicane, attention à ne pas être trop gourmand. Ce qui est surprenant par contre, ce sont tous ces pilotes qui doublent sous safety car. En théorie, quand la piste est sous safety car, on ne double pas. Ce qui est ici assez surprenant. Nicolas Payès au stand. Il a réussi à gagner la voie des stands, ça y est. Et je pense que David risque de faire également un petit passage par la voie des stands. Et du coup, eh bien, ça pourra être Nicolas Crignon qui se retrouve deuxième. Bon, David ne repasse pas par la voie des stands, il préfère rester en piste avec la voiture actuelle. Par contre, on va chercher le leader qui lui doit chercher tout simplement le safety car. Oh, et Anthony Jones qui s'est piégé là à la sortie du deuxième virage. Et on voit Arnaud Marcotte au loin. Ça semble vraiment très très compliqué là. Je me demande si le drapeau rouge ne serait peut-être pas plus judicieux. Allez, les pilotes ont retrouvé le safety car. On retrouve donc cette Clio RS ici, qui fait office de safety car. Et qui, eh bien, je pense, n'ira pas trop vite, hein, vu les conditions. Boum, alors que là devant, on a un pilote qui vient tout simplement, eh bien, de percuter le mur avec Kevin Lefondre. Il faut se calmer sur les gaz, hein, quand il pleut comme ça. Attention, ça ne sert à rien d'être violent avec la voiture, ça ne fera qu'empirer les choses. Je suis très surpris quand même de cette gestion des dépassements sous safety car. Tout le monde double un peu tout le monde. Alors l'avantage de ce second safety car, eh bien, c'est que les pilotes remontent. Hein. David Lespès et Nicolas Crignon, voilà, se sont rejoints.
Et Anthony Jones et donc n'a plus que 10 secondes d'avance sur le reste. Alors par contre, vous pouvez noter qu'il ne pleut plus. La pluie s'est arrêtée. On est désormais à la mi-course. Et il n'y a plus de pluie. After several laps with the safety car on track, the safety car go out after first crash of several cars on the track. And when the safety car move out to the track, and the drivers had approximately one lap with a green flag, and the condition was very difficult with the weather, and the safety car come back on track. For safety of the drivers and for our pleasure, the drivers are now behind the safety car and are not very far with the driver before him. The ranking. For example, we have Anthony Jones first, and David Lespès and Nicolas Quignon are second and third, just behind, not exactly just behind the leader, because there are some cars on track between the first and the second. As you can see, there is Arnaud Marcotte with the red helmet. Seems that the helmet were by Arnaud Marcotte was the copy of the Michael Schumacher's helmet. Allez, le safety car est toujours en piste. On retrouve les deux voitures Martini, dont Tony et Arnaud Marcotte derrière le safety car. Ensuite, on va retrouver Yannick Clapchamp est un peu plus loin, Olivier Vignon également. On va retrouver Nicolas Payès, 8ème à un tour hein, malheureusement. 9ème Orlando Bechin. Voilà, on a le 10ème ici qui est entre David et Nicolas. Kevin Lefondre 11, David Le Pen 12. Ou alors que là Jean-Claude Joly est encore dans le rail. Il nous confie pendant le briefing ne pas vraiment être à l'aise sous la pluie, et ça semble se confirmer. Allez, on va rejoindre la tête de la course. Et là on retrouve toutes les voitures les unes derrière les autres, et le safety car rentre dans les stands, et on va repartir ici pour la course sous drapeau vert. Et Anthony Jantz là qui en profite tout de suite. Oh, derrière, ça semble un peu compliqué là de repartir. Nicolas Crignon s'est fait surprendre invisiblement la réaccélération là sous la pluie. Et attention à pas être trop gourmand, hein. Il faut bien rallonger les distances de freinage. Là c'est quand même assez compliqué hein, de gérer cette pluie. Et là on a perdu David Lespès par contre hein. David Lespès qui était en tête à queue et qui du coup eh bien, a permis à Nicolas Crignon de reprendre la deuxième place avec Yannick Clapchin probablement dans ses échappements. Voici Yannick Clapchin là qui est littéralement bien la vue relativement masquée par les projections d'eau de la monoplace du second. Il se décale, il va tenter le frein. Non, c'est quand même un peu osé ici. Il y a les pilotes qui prennent l'extérieur hein. On vous le rappelle, les trajectoires
sont très différentes du sec. On prend les virages par l'extérieur pour avoir un rayon de braquage plus important et éviter la gomme qui fait glisser la voiture, puisque la gomme fait une sorte, enfin, nivelle l'aspect du bitume. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup moins d'eau. Et là, on a vu un dépassement assez impressionnant de Yannick Lapchin sous la pluie, qui était à la limite du blocage, mais qui est passé de la plus belle des manières. Et par contre, Anthony Jones a repris 6 petites secondes d'avance. Alors c'est pas grand chose, mais ça peut suffire. Et là, on devrait aller sur une piste séchante. Oula, attention, les pilotes là qui sont en difficulté. S'agirait-il de Nicolas Crignon? Je pense que c'est... voilà, Nicolas Payès, ça me semblait. Ça n'a pas été évident non plus là. Attention à pas... on veut ne pas gêner, mais on veut pas trop perdre de temps. Oh, attention, David L'Espèce ici là. Et David qui perd une nouvelle fois le véhicule, toujours au même endroit. C'est la deuxième fois de suite. Et David là qui devrait perdre peut-être une place encore. Non, ça va, le cinquième est assez loin. Olivier Vignon. Allez, Julien Fournet, sixième. Alors là, on ne vous parle plus trop des temps, hein, c'est normal, hein, puisqu'on est sous la pluie. Et sous la pluie, les temps sont bien moins rapides. Une 44, hein, là, sur le dernier tour, une 44-6. Voilà, c'est 22 secondes, enfin 18 secondes plus lent. Anthony Jones, là, voilà, il fait un meilleur tour en une 24-2, et là, le chrono est à une 24-2. Il lui reste encore la chicane à faire, ça va être un tour en une 38, une 40. Le mur est assez loin là, hein. Sur le sec on vient frôler le mur, là on ne joue pas trop. Arnaud Marcotte qui se dégage, qui slalom pour éviter les projections. Voilà, une 41 hein, pour Anthony Jones. Arnaud Marcotte là un peu optimiste derrière qui coupe la chicane. Yannick Lapchin deuxième. Hein. À 7 secondes 5, il perd un peu d'écart. Mais il creuse l'écart par rapport à Nicolas Crignon. Et David L'Espèce là qui est au stand, quatrième. Et qui va perdre un certain nombre de places. Hein. Même si Julien Fournet est loin. Et David L'Espèce, abandon. Abandon pour David L'Espèce malheureusement. Et donc la quatrième place vient devrait revenir à Julien Fournet. Ici en piste et voilà. Il récupère la quatrième place. Ainsi que Olivier Vignon. Alors Olivier Vignon par contre il est à une minute derrière. Le voici. Une minute derrière le leader. Il n'est pas très loin finalement de Julien Fournet. Olivier Vignon qui on va dire est un des rares pilotes actuellement en piste à connaître les joies de la pluie, puisque en son temps où il roulait en GT, eh bien la plateforme permettait justement de rouler sous la pluie, et donc il a dû connaître les courses sous la pluie, tout comme David L'Espèce également. Et Nicolas Crignon peut-être, mais je ne suis pas sûr. Donc la pluie ici là qui va jouer énormément sur le reste de la course. Et pendant ce temps là, Anthony Jones. Et regardez, on voit la trajectoire là qui commence à sécher par endroit. La piste qui s'assèche. Alors par contre le problème des pistes qui s'assèchent comme ça, et eh bien c'est que il ne faut pas sortir de la trajectoire. C'est absolument interdit de sortir de la trajectoire. La sanction est immédiate quand c'est comme ça. Puisque on n'a plus de grippe du tout. Donc là il est en pneu pluie, donc on va dire que la différence n'est pas énorme. Ou attention, je pense que c'était Jean-Claude Joly. Je ne suis pas sûr, on va vérifier. Ouais, c'était bien ça, c'était Jean-Claude Joly. À qui peine visiblement. Ouais, il fait très attention, hein. Voilà, c'est bien. On accélère doucement. Et hop,
On double le pilote plus lent. Et voilà, la voiture est bien droite. Là, on peut accélérer. Pas de tension. Ouais, je pense que là, par contre, ça va être la fin pour Jean-Claude Joly. Il va rentrer au stand. Anthony Jantz, bien qui ressort du virage numéro 2. Et il reste un peu plus de 20 minutes de course. Allez, on a 15 voitures en piste sur les 19 partantes. On vous rappelle l'abandon au tour numéro 20 pour David Lespèce suite à de multiples contacts sous la pluie. Et là, vous voyez la vitesse vraiment très inférieure de par le DRS, etc. Ou Anthony Jones qui se rate. Et là, je pense qu'on va arriver, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques tours, on devrait rencontrer un nouveau problème. Pour les pilotes, à savoir est-ce qu'ils conservent les pneus pluie ou est-ce qu'ils vont passer en pneus secs. Pourquoi? Tout simplement parce que la trajectoire va sécher. En séchant, on va retrouver une piste plus ou moins sèche et les pneus pluie vont se détruire à une vitesse beaucoup plus élevée qu'un pneu slick. Donc la trajectoire va permettre au pilote de rouler en pneu slick. En revanche, si le pilote a le malheur de faire un petit écart et de se retrouver hors trajectoire, le pneu slick va se retrouver dans l'eau. Et un pneu slick dans l'eau, bah, ça donne ce qu'on a eu au début de l'averse. Eh bien, les pilotes seront en grande difficulté. Et donc, pendant un certain temps, les pilotes là vont chercher à sécher la trajectoire. Et après, pour conserver les pneus pluie le plus longtemps possible, eh bien, ils vont slalomer sur la piste pour aller chercher l'eau. Et une fois qu'ils auront usé les pneus pluie comme ils le souhaitent, eh bien, ils repasseront en sec. Et nous avons même un deuxième scénario qui risque d'arriver, c'est que comme il reste un quart d'heure, il va rester en gros un quart d'heure de course d'ici quelques minutes, les pilotes n'auront pas forcément intérêt à repasser au stand, puisqu'un passage au stand, là, va faire perdre un certain temps, sachant que les pilotes sont regroupés pour les trois premiers en 20 secondes. Il faut être capable, après, de repasser les pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Et est-ce que dans les dernières minutes on pourra récupérer 20 secondes, soit en gros 5 secondes par tour? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais là on voit que Anthony Jantz vient de faire 1:34.595 et il a déjà gagné 6 secondes par rapport à tout à l'heure. Donc on voit que déjà que c'est beaucoup plus performant. On va voir Anthony Lapchin. Yannick Lapchin. So if you join us now, the start was give for the drivers approximately 40 minutes ago. During 20 minutes with a dry track, it's raining at Montreal, and approximately at half. Of the hour, the track was completely wet, and during maybe 5 or 6 laps, the safety cars go on track to allow the driver to learn the track
with a lot of water on it. And now the driver are on the green flag, and as you can see, a part of the track was not very wet. And in few minutes, some drivers may ask if they keep the slick tires or if they finish the race with the rain tire. Oh, Yannick Clapchin make mistakes. All the drivers are at least at one lap. Oh, Orlando Bechin is in the pit, maybe for slick tires. We will. Oh yes, slick tires for Orlando. Oh, very, very dangerous choice. He go out of the track, and the pit lane was completely wet. Be careful at the first corner. Be careful, be careful. Voilà, et là par contre, sur, sur la trajectoire, ça va être beaucoup plus facile. Orlando Bechin a donc choisi d'équiper les pneus slick sur le véhicule. Et là par contre, ça risque d'être un peu osé, puisque même dans la trajectoire, on voit encore plein de projections d'eau. Il faut vraiment optimiser là, la conduite. Oh, ça risque d'être risqué quand même. Là, il s'en tire plutôt bien. On va rester avec lui. On va rester avec lui là pour les prochains tours. Pour voir comment se comporte la voiture. Pour voir quel chrono il fait. Voilà, Anthony Jones, 27, 53. Orlando il est 11. Oh, allez, je pense que ça va être quand même beaucoup plus vite, hein, avec les pneus slick, Je pense que là il va faire un gros gap. On va voir comment il se rapproche des pilotes devant. Mais là attention, parce que devant c'est pas le même rythme, hein. Si ça freine devant, il risque de revenir à vitesse grand V. Droite, on est sur le sec, il accélère. Alors on voit que la piste est sèche, malgré tout il y a encore quelques projections d'eau, mais ça semble largement roulable en pneus slick. Et une 42, hein, une 42, je pense qu'il est pas très loin à mon avis d'ici un ou deux tours. Là, je pense que les pilotes ne vont plus avoir le choix. Et voilà, on voit là Anthony Jones qui part à la faute. À mon avis, les pneus pluie commencent à arriver en fin de vie. Alors, pourtant, les dessins sont encore présents, hein, sur les pneus. Mais il va falloir faire attention. 27.5. Oh oui, oui, oui. Ça semble compliqué. 27.5. On va voir combien il fait au deuxième secteur. Allez, on retourne voir Orlando Bechin qui a déjà gagné une place. Hein. 27.5, 58.3, 28.5. Ouais, c'est dans les mêmes temps. C'est dans les mêmes temps. À mon avis, le pari de mettre les pneus slick en fin de course peut être payant. Mais là, malheureusement, Anthony, ce n'est pas lui qui va décider. Je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de continuer en slick. Voilà, 1.35.8, hein, pour le tour.
Orlando qui est dixième, lui vient de faire un tour en on a raté ça. Est-ce que je peux le retrouver? En 1.35.8 également. Et voilà, Orlando est dans les mêmes chronos que le leader avec les pneus slick. Alors est-ce que d'autres pilotes passent par la voie des stands? Kevin Lefondre également, Yannick Lapchin dans la voie des stands. Et voilà, les pilotes là montent les pneus slick. On a un fin de course assez... On va voir, hop hop hop, c'est pas par là, attention. Et oui, et oui, et oui. Là je pense que les pilotes vont commencer à changer le fusil d'épaule. Il va falloir repasser en pneu slick. Et là je pense qu'Anthony va se rendre compte de lui-même. Devant lui il a un pilote qui est en pneu slick. Naturellement il devrait être amené à se poser la question. Alors par contre attention derrière hein, parce que là si il se rate. Et là Anthony continue. Et oui, malheureusement il y a, enfin malheureusement ou heureusement, il y a Nicolas Crignon derrière lui qui est beaucoup trop proche. Ce n'est pas assez pour pouvoir passer par la voie des stands. Par contre là Yannick Lapchin s'il se débrouille bien devrait pouvoir gagner du temps. Quel est le dernier temps autour là pour Yannick Lapchin? 31.5 pour Jantz et 49.7. Bon, il y a le passage par la voie des stands. 37.9 en slick. J'ai l'impression qu'il est quand même mieux. S'il arrive à faire 2 ou 3 tours avec les slicks pour bien gagner du temps, ça peut le faire. Attention, Anthony Jones commence à avoir quelques difficultés toujours. Allez, voilà, il cherche l'eau là. On va pas tarder à le voir. Il cherche l'eau pour refroidir les pneus. Alors, est-ce que Yannick Lapchin remonte? 37.9 pour Lapchin. Et malgré tout, Anthony creuse l'écart. Hein. Alors, est-ce qu'Orlando est mieux avec ses pneus pluie? Une 41.6. Non, c'est pas mieux. Et là, on a Arnaud Marcotte, par contre, qui... Et Nicolas Payès, qui sont plutôt bien. Et Yannick Lapchin, ça y est, 30.2, c'est plus vite. Ça y est, les slicks sont plus vite que les pluies. Ouf, là je crois qu'il y a un pilote qui vient de se jeter dans les murs de protection. Allez, on va suivre Yannick Lapchin. Parce que je pense qu'il a un coup à jouer avec les pneus. Avec les pneus secs. Julien Fournel hein, qui s'écarte sportivement et qui prend un tour hein, par la même occasion. Il sait que de toute façon Julien Fournel ne pourra pas aller chercher le podium puisqu'il vient de se prendre un tour par la personne qui est devant lui. Allez, Yannick Lapchin
Allez, 29-1 contre 31.4 pour Jones. C'est 31-0 pour Crignon. Ah, il n'y a plus de doute là. Il faut mettre les pneus slick. Mais en 6 minutes, il faut que la voie des stands fasse moins de 20 secondes. Là, je pense que c'est vraiment que c'est Yannick Lapchin qui va avoir la clé de la course. Parce que là, il remonte sur Nicolas Crignon. Il remonte également sur Anthony Jones. Et Anthony, s'il s'arrête, il aura Yannick Lapchin dans ses échappements. Peut-être juste devant lui. Nicolas Crignon, je pense qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas ressortir devant. De toute manière, avec ses pneus pluie, il ne tiendra pas longtemps face à Yannick. Et Olivier Vignon qui perd une place. Abandon. Olivier Vignon abandonne. Malheureusement. Allez, les chronos là, les chronos. 28-4 contre 29, 20 contre 31-6. C'est 3 secondes 2 de mieux repris sur le dernier tour. 4 secondes, presque 4 secondes pleines sur le pilote qui le précède. Il va s'emparer de la deuxième place, ça c'est sûr. Elle sera pour lui la deuxième place. Les projections qu'on voit devant, eh bien c'est Nicolas Crignon qui va devoir céder. Probablement. Le voilà au loin. Il va devoir céder sa deuxième place, Nicolas Crignon. C'est pas sûr qu'il arrive à conserver. Par contre, Anthony Jones, ça devrait être bon. Il a réussi à prendre suffisamment d'avance sous la pluie pour conserver le leadership. Secondes. Bon, attention, petit blocage de roue. Ben, regardez comment il remonte. Impressionnant sur les phases de freinage là. Comment il a repris en 100 mètres. Il a repris presque 80 mètres quoi. Tout simplement hallucinant. Voilà, faut pas qu'il se presse hein, Yannick. De toute façon, il passera. Il n'y a pas photo. De toute façon, il passera. C'est sûr. Il faut juste qu'il choisisse quand. Il ne faut pas se presser. Mais il restera deux tours. Hein. Deux tours, malheureusement, ça ne sera pas assez. Parce qu'il reprend 4 secondes par tour au leader. Mais l'écart est vraiment trop important. En tout cas, belle gestion de course pour Anthony pour l'instant. Voilà, et est-ce que Yannick va se décaler? Non. Il reste derrière. Voilà, ça devrait être là, normalement, mais il va falloir qu'il freine hors trajectoire, c'est là que ça risque d'être compliqué. Ouh, attention, c'est pas loin, eh oui, c'est là que ça va être compliqué à l'accélération. Non, il ne peut pas, on ne voit pas grand chose. Ah, ça risque d'être compliqué là. Par contre, là, il risque de tuer ses pneus s'il continue comme ça. Oh, il s'est fait peur, là. Et on va rentrer dans le dernier tour. Pas loin, à mon avis. Avant-dernier tour. On en fera encore un après.
Ou attention, for the end of the race, there is a battle for the second place between Nicolas Crignon and Yannick Lapchin. Nicolas Crignon had the wet tires and Yannick changed the tire some laps ago by the slick tires, and Yannick was faster than Nicolas, but to overtake the car it would be very difficult. Oh, pouf! Attention! Le petit contact. It's the last lap, I think. Whoop. Last lap or not? Not. Et là, on voit Anthony qui cherche la pluie. Voilà, Anthony qui roule sur les parties humides pour refroidir ses pneus pluie. Là, il devrait croiser pour se mettre à droite, peut-être. Non, même pas, il reste ici. Bon, c'est que les pneus sont pas encore complètement morts. Il a encore un peu de marge. Et dernier tour. Et oui, dernier tour. C'est fini. Et voilà, pour quelques secondes. Victoire d'Anthony Jantz. Victoire d'Anthony, donc devant Nicolas Crignon, qui va en terminer ici. Voilà, Nicolas Crignon, deuxième, belle deuxième place. Qui a su résister au retour de Yannick Lapchin. Et Yannick Lapchin, donc troisième. Qui, malgré une stratégie osée, et je pense qu'elle était. C'était réellement une très bonne stratégie, il fallait le tenter. Malheureusement, les pneus slick n'ont pas permis de dépasser. Et c'est ce que je craignais un petit peu. Que les slicks en dehors de la trajectoire, et eh bien ça soit compliqué. Allez, le quatrième, Julien Fournet. Le cinquième, Jean-Philippe Piaya. Avec juste derrière lui, Nicolas Payès. Voilà, pareil, un en slick et un en pneu pluie. Et les pluies devant les slicks, une fois de plus. Arnaud Marcotte qui termine septième. Qui a également chaussé les pneus slicks. Et on va retrouver ensuite Orlando Bechin, qui est déjà rentré au stand, qui lui était le premier à chausser les pneus slick. Et qui est peut-être rentré un ou deux tours trop tôt. Il a senti la solution, mais un petit peu trop tôt probablement. Et on va retrouver donc 10e David Le Pen. 11e Kevin Lefondre, 12e Jean-Claude Joly, 13e Fabrice Bastian, 14e Gilles Garcia. Voilà donc pour eh bien, cette course test eh bien, qui s'est déroulée sur le circuit de Montréal. Et on va accueillir, je pense, d'ici quelques secondes, eh bien, les pilotes pour l'interview d'après-course. Et je vous donne rendez-vous eh bien, dans quelques secondes avec les pilotes. Le temps pour moi de rejoindre la salle de presse. A tout de suite.
Allez, me voici en salle d'interview avec les pilotes présents sur le podium qui viennent tout juste de sabrer le champagne. Et on retrouve donc eh bien, Anthony Jones, Yannick Lapchin et Nicolas Crignon. Bonsoir messieurs. Et bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors donc on a eu une course disputée, un peu humide comme vous l'avez constaté. Malgré tout, une course très passionnante et un suspense jusque dans les derniers mètres. Donc Anthony, vainqueur ce soir, auteur de la pole position, on t'a senti quand même relativement affûté. En qualification, t'as écrasé la concurrence, plus de 6 dixièmes d'avance sur le reste du peloton. La course, au début, c'est parti. Par contre, les safety cars, est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle stratégie adapter tout de suite, sachant que on savait qu'il y aurait de la pluie pendant la course? Quand le premier safety car est sorti, si je me trompe pas, il faisait déjà. Il pleuvait déjà, oui. Mouillé. Donc là, non, je me suis pas du tout posé la question. Vu les conditions qu'on avait, c'était vachement. C'était vraiment trop difficile pour dire de penser à mettre les pneus slick. Et d'ailleurs, même le peloton a eu difficile à recoller tellement ça glissait. Donc. Au début, à la fin du premier safety car, je me suis dit que j'aurais même facile, que ça n'aurait pas recollé. Donc voilà, après le deuxième. Les pilotes en fait n'ont pas recollé, puisqu'il y avait des voitures entre toi et le second. Et les gens ne savaient pas s'ils pouvaient doubler sous safety car ou pas. Et du coup, le rythme était vraiment très faible. Et justement, il y a eu pas mal de dépassements sous safety car. A priori, il n'y a pas eu de sanction. Donc faudra peut-être voir avec la direction de course justement comment peut-être gérer un peu mieux ces safety cars, mais c'est ça en fait qui a fait que sur le premier safety car ça n'a pas recollé. Les gens savaient pas trop s'ils pouvaient doubler, pas doubler. C'est vrai que sur le deuxième on avait plus de dépassements sur safety car, donc. Et sur le deuxième, ouais, là ça a recollé, après il y avait toujours des voitures entre, mais. Ok, la fin de course, avec les pneus pluie jusqu'au bout, c'était pas trop compliqué. On a vu que tu cherchais un peu l'eau sur la fin. Bah, les pneus chauffaient énormément, mais quand j'ai vu qu'Yannick rentrait au stand, je savais que c'était certainement pour mettre les pneus slick. À partir de là, je me suis dit qu'il y aurait l'écart de l'arrêt entre lui et moi, donc je me suis dit pourquoi pas tenter jusqu'au finish avec les pneus pluie, en sachant que pour dépasser, il fallait peut-être sortir de la trajectoire et que ce serait compliqué, donc tout à fait. Bon, en tout cas, bravo à toi, belle victoire, et puis on espère que tout le championnat va être comme ça, parce que c'était quand même très sympathique. Donc juste derrière toi, Nicolas Crignon, donc qui est parti, si je me trompe pas, en qualification de la 6ème place, et qui à la fin du tour de formation est rentré au stand. Alors pourquoi faire? Alors en gros, en chauffant les pneus, il y a une bosse juste avant l'épingle, et en gros je me suis mis en vrac et j'avais plus de données, donc du coup j'ai dû rentrer pour réparer. Donc forcément les réparations commençaient après les feux passés au vert, et du coup départ en dernière position, 19e, assez loin du peloton, et puis il fallait remonter. Au final, j'ai envie de dire que ça t'a pas forcément mal réussi, puisque bon, t'as pu trouver un rythme assez rapide tout de suite pour recoller sur le peloton. Après, les voitures étaient un peu étirées, donc peut-être que tu as pu dépasser sans trop de problèmes. Et puis là, est arrivée la pluie. Oui, dépasser, oui, ça a été assez facile. Bon, avec quelques accrochages devant qui m'ont permis de rattraper vite le peloton et de pas trop être gêné dans ma remontée. Et puis, je crois que la pluie est arrivée, j'étais aux alentours de la 10e place. J'ai chaussé peut-être les pneus pluie un tour trop tard, mais au final, vu les conditions, ça s'est plutôt bien passé, parce que bon, j'avais fait pas mal d'essais aussi sous ces conditions, donc du coup, je connaissais un peu les pièges sous la pluie, ce qui m'a pas mal servi, puisque très rapidement, je me suis retrouvé aux avant-postes, au premier safety car, je crois que je suis cinquième au restart, et puis après sur le deuxième, je repars troisième. Donc voilà. Et le retour de Yannick sur les deux derniers tours, ça t'a pas inquiété? Parce qu'à un moment il est revenu très fort.
On l'a vu dans la dernière chicane, là, en caméra embarquée. On l'a vu sur le freinage, en 100 mètres, il a repris presque 80 mètres. C'était assez impressionnant. Et bon, il a fait une petite erreur, du coup, ça t'a permis de conserver ta deuxième place. Est-ce que tu étais tranquille malgré tout, ou tu t'es dit, il va passer, c'est fini En même temps, enfin, dans le moment, quand il s'est arrêté, je me suis dit, est-ce que je m'arrête, est-ce que je m'arrête pas? J'avais vu qu'il restait plus qu'un quart d'heure de course. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter puisque je savais que ça allait être très compliqué de doubler avec les pneus slicks sur hors trajectoire, puisque même moi, avec les pneus pluie hors trajectoire, j'avais beaucoup de mal à freiner, puisque la piste était encore fort humide sur les extérieurs. Et donc, du coup, je me suis dit, quand je l'ai vu revenir après une faute que j'avais faite, quand je l'ai vu revenir rapidement dans la ligne droite, je me suis dit, si je reste sur la partie sèche, il passera pas. Bon, il a tenté le dépassement, je pensais vraiment pas qu'il allait le tenter là. Et du coup, bon bah j'ai réussi à garder ma place et emmener les pneus pluie jusqu'au bout, quoi. Bah en tout cas, félicitations pour cette belle remontée et puis cette deuxième place. Et pareil, on espère que le championnat te réussira également. Et Bah donc, merci. bah de rien. Et donc, troisième homme sur ce podium qui nous a fait le spectacle jusqu'au bout, donc Yannick. Une qualification plutôt bien réussie, deuxième, bon certes assez dixième mais deuxième quand même. Mais par contre une stratégie de fin de course qu'il fallait tenter, je pense, et je pense que tu as fait le changement de pneu au bon moment. Et tu pensais pouvoir, je pense, exploiter un petit peu mieux les pneus slick hors trajectoire? Surtout exploiter les pneus slick en trajectoire, mais c'est très difficile parce qu'en fait on vient un peu avec on roule un peu avec la peur au ventre dès qu'on est avec les slicks et qu'on sort de la trajectoire. Là, c'est l'erreur assurée. Donc c'était une prise de risque. À l'origine, dans ma tête, je me suis dit que tout le monde allait Allez repasser s'arrêter en parce que slick. allait s'arrêter pour passer en slick. Et puis, au fur et à mesure des tours passants, je voyais que personne ne s'arrêtait. Et puis, je me suis dit, mince, alors, là, je vais être bien embêté pour dépasser Nicolas parce que j'avais pas pensé. Je pensais que le DRS allait être réactivé sur la fin de course, vu que les conditions redevenaient sèches. Et je me suis dit que ce DRS me permettrait peut-être de dépasser, sur la ligne droite avant le freinage. Alors, je voyais que ce DRS ne venait pas, et puis j'ai un peu tenté à deux tours de la fin un petit dépassement un peu suicidaire. J'ai réussi à éviter le pire, c'est-à-dire la collision, même si je crois qu'on s'est frôlé un tout petit peu. Et voilà, donc finalement après ça, je me suis dit bon bah on va calmer le jeu. Et puis de toute façon j'ai fait quelques erreurs sur le tour suivant, et puis la deuxième place était partie. Mais j'étais vraiment parti dans l'idée, avant de m'arrêter, pour remettre les slicks, de partir le couteau entre les dents pour essayer d'aller choper la première place en tenue. Voilà. Ok. Bah en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un finish assez, enfin très palpitant. Entre la solution slick, la solution pluie, vous n'étiez pas le seul en piste avec Nicolas à être en bagarre, l'un en pluie, l'autre en slick. Bon, sur les cas que j'ai pu vous constater à l'arrivée, à chaque fois les pneus slick étaient derrière et étaient coincés parce qu'ils n'arrivaient pas à doubler dans la trajectoire. Mais en tout cas, belle initiative de ta part d'avoir tenté ce choix des pneus slick. Et je pense que ça va nous réserver pas mal de suspense tout au long du championnat. Si on a cette petite météo variable à chaque course, là, je pense que on ne va pas s'endormir devant la télé. Messieurs, merci à vous et encore bravo pour ce premier podium. Et puis ben, rendez-vous, je l'espère pour vous, pour d'autres interviews pendant le championnat. Et puis on se retrouve pour la première course, si je ne me trompe pas, c'est fin février, qui est sur le circuit de Bahreïn, il me semble. Tu me corriges, Anthony, si je dis une ânerie, c'est Non, ça. Bahreïn, début février, pardon. pas peu de chance qu'on ait de la pluie là-bas, je pense, mais
C'est pas faux. Il y a peu de chance. Mais bon, peut-être sur les prochaines. Bah, merci à vous. Et puis, rendez-vous à la prochaine. Et puis, merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la suite donc, de ce championnat Formula Renault 3.5 qui débute donc le 9 février avec la première manche à Bahreïn. Et nous aurons au total 10 manches. Bonne soirée sur Paddock TV et merci à tous. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.